On s'est fait peur parce que jouer à 10 contre 11, il faut savoir un petit peu mieux le gérer. On a essayé de trop passer plus ou moins par l'axe et de se précipiter. Et on a joué dans le jeu d'Auxerre pour récupérer des ballons et aller vite vers l'avant. Donc on aurait pu malgré tout prendre peut-être un but sur coup de pied arrêté. C'est ce que j'avais un petit peu peur. C'est pour ça qu'il fallait être patient sur la deuxième mi-temps. Et par moments, à 10 contre 11, on veut trop aller vite vers l'avant et avoir moins de maîtrise. Et donc il est important de garder ses nerfs et de pouvoir après, à la fin, marquer un but en passant par les centres. C'est ce que je l'avais demandé à la mi-temps, c'est ce qui s'est passé, donc je suis très heureux. C'est vrai que j'étais très heureux de la première mi-temps qu'on a fait, notamment dans la maîtrise technique. Et paradoxalement, en deuxième mi-temps, avec un joueur de moins à Auxerre, on a été moins performant. Donc c'est sur ça qu'il va falloir quand même travailler pour encore... assimiler un petit peu mieux peut-être le système, mais aussi être plus performant, je dirais, pour pas se faire peur. C'est toujours important, mais je suis très heureux parce que c'est aussi un joueur qui rentre et qui marque. Donc ça montre aussi les valeurs du groupe et ça montre que tout le monde a envie de gagner sa place. Et donc, c'était très intéressant d'être beaucoup plus... relâché sur la fin de match et notamment en essayant de passer par les côtés.